Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième test de ski de Gilles Ardoni. Pense à t'abonner. Bon, alors j'ai clair de ralenti 35, j'ai clair principal de 88. Tu peux voir, ça fume, c'est encore grand au ralenti. Juste ce qu'il faut. Par contre, le tour. Ça les prend plus facilement, c'est vrai. Donc là, elle chauffe. Et on va aller faire un petit tour. Voir ce que ça donne. Bon, je vais couper, je vais mettre dans la GoPro et on va faire un petit tour. Bon, alors tu vois, cette fois j'ai mis le casque quand même, on va aller sur la route, on sait jamais, hein. Pas que faire que n'importe quoi non plus. Donc je suis désolé, je vais coller un fond de musique et des petits passages où on entendra la mobilette, parce que du coup dans le boîtier de la GoPro, le son est vraiment dégueulasse. Bon, allez, sinon je te laisse apprécier ce tour embarqué, c'est plutôt pas mal. C'est plus sympa embarqué qu'avoir à côté. Bon, tu peux le voir, c'est pas tout plat et ça monte assez bien quand même. Hein. J'ai pas à me plaindre, hein. Je trouve qu'elle marche plutôt pas mal quand même cette petite veleuse. Malgré une roue arrière de travers et un vario pas réglé, puis j'ai clair faut que je rebaisse encore un peu trop grand. Il y a une allonge, par contre, ça paraît interminable, c'est un truc de fou, c'est trop dingue. Bon, du coup, tu l'as compris, je renonce à me prendre la grande nationale, on verra plus tard. Bon, bah, je suis vraiment désolé, mais c'est carnage, il y a de la buée qui est en train de se former sur le truc de la caméra, je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Mais bon, c'est pas grave, ça te donne une idée quand même.
Allez, cette fois on y va, j'y vois mieux, c'est parti, je me lance. Bon, alors je te précise, hein, toujours dans les règles de la mobylette, je roule, j'ai mis le casque, mais la roue touche toujours le bras oscillant, il n'y a pas un brin de lumière sur la mobylette. C'est pas grave, au calme. On est éclairé, on est encadré, il y a du monde, on n'a pas de raison de se faire soucier. Allez, petit bonus, on va se faire un petit essai dans le chemin qui malheureusement va pas durer bien longtemps parce que je crois que j'ai explosé mon roulement de roue arrière dans un trou. Donc j'étais obligé de m'arrêter, de revenir à 2 à l'heure, enfin catastrophe. Jusque là tout allait pas trop mal, c'est par là en repartant j'ai pris un trou et... Là du coup je sais pas, c'est bizarre, ça fait une grosse vibration ou alors on dirait qu'il y a un truc qui est parti en couille dans la poulie en voyage, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Et quand je roule ça me secoue dans la roue, enfin ça me secoue à l'arrière, donc je pense que le roulement, on roule avec la tête. Voilà, donc là je me suis arrêté, j'essaye de voir un peu ce qui se passe. Je me rends compte aussi que mon pneu arrière est légèrement crevé, quoi. C'est pour ça que ça danse. Donc voilà, quoi. En fait je crois que c'est même pas le... Enfin, le roulement a éclaté, je crois, plus le pneu arrière qui a éclaté aussi. Sympathique le chemin en Centre-Provence. Puis je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi je trouve qu'ils éclairent trop bien mes feux, quoi. C'est trop de la balle. Bon voilà, sur ce on arrive au bout. Pense à t'abonner, liker, laissez un petit commentaire, partagez, faites tourner. Et puis à la prochaine. J'espère que la prochaine là je vais faire. Parce qu'il fait froid en fait, ça fait grave de la buée et de la condensation. Et la caméra comme elle chauffe quand elle filme, voilà quoi. C'est un peu compliqué l'hiver.
Donc, faut que je trouve une solution pour ça. Et puis, voilà.